Ok, salut la team, je suis Zaybien, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc comme vous aurez pu le voir sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas, c'est l'occasion parfaite pour aller me suivre. Ben voilà, je vais changer de décor tout simplement. Vous avez absolument rien vu, ça veut dire que vous savez même pas la couleur du mur, même pas le mini détail du mini détail. J'ai fait exprès, je voulais vraiment vous garder cette surprise. Qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? D'abord, je vais vous faire la présentation de mon studio. Je vais vous le montrer avec une vidéo grave stylée, des transitions parfaites. Enfin, j'espère, je mets une pression dès le début de la vidéo. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce décor-là, pourquoi j'ai changé, pourquoi j'ai mis ça ici. Parce qu'avant, ici, c'était une cave remplie de merde avec que de la merde. Bref, c'est parti, je vous montre ça. Allez, avec moi. Allez, go. Allez, 1, 2. Ah non, c'est pas ça, attendez. Là, celui-là, vous êtes prêts? Allez, go. Putain, non, attendez. Eh, jamais 2 sans 3, ok? C'est absolument pas drôle et en plus, je vais galérer au montage. C'est parti, allez. Ça, c'est le décor. Allez, avec moi. La cave, donc vous l'avez vu au début, donc là elle commence vraiment à se vider, donc qui dit ça dit bientôt le studio, je suis tellement pressé de vous montrer ça. Ça fait 2 heures que je suis sur là-dessus là, parce qu'en fait je vais faire un gros hard body et je galère avec les mesures, vraiment un délire, c'est hyper chiant. Aujourd'hui on a fait un test, regardez, on a fait un pochoir pour les nuages de Toy Story. Je les ai effacés au chiffon. C'est pas grave, si on les voit. Parce que malheureusement on n'a pas trouvé le papier peint ni les autocollants. Du coup, pochoir qu'on a créé en un genre de carton super renforcé. Donc voilà, ça va aller là-dessus. Allez, allez, c'est parti. Vous connaissez le client Warbody? Oh là, il est chiant. Il est exigeant en plus. Exigeant. Allez, faut refaire. Non, mais j'en fais qu'un seul, il n'y a pas de serviette. Le scotch, il est où? Il est là. Donc là, il vient de faire les gros nuages. Il ne manque plus qu'à faire les petits. Donc, vous reconnaissez, c'est les nuages d'un story quand même. Donc là, il y aura l'éclair qui va venir casser le décor en deux. Donc du côté enfant et là du côté écrou. C'est une plaque. Je te jure, je mets ça. Du coup, tu m'as fait ma faire les nuages. Je te jure, je les mets sur YouTube, papa, que tu aimes pas là. Oh bah, c'est pas mal. Hein. Hey. Oui. 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 C'est magnifique. Salut. C'est beau. C'est super. Ah, il y a... Nice. Ah, le premier, tu vois. En gros, il faut que le milieu, il soit un peu plus à gauche que ce milieu-là. Ah, comme celui-là. Comme ça. Ouais, comme ça. Voilà, voilà, parfait. Attention, la distance comme ça. Un peu plus par là. Encore, t'es loin là. Encore. Voilà, là, parfait. Ok, donc là, j'en allais acheter les LED pour mettre dans l'éclair, parce que comme vous voyez, en fait, l'éclair dessus, il y aura un plexiglas que je vais vous montrer après. Du coup, j'ai acheté 2 paquets de LED pour mettre à l'intérieur, donc 2 paquets de LED de 3 mètres. D'ailleurs, si vous cherchez des LED, je vous conseille Action. J'en ai eu pour moins de 20 euros les 2 paquets de LED de 3 mètres. Honnêtement, c'est super. Donc là, il y a une petite télécommande, c'est pas avec l'iPhone. Je vous déconseille avec l'iPhone, surtout pas Action, parce que les applications d'Action sont très bof. Hein. Bon, là, j'ai pas mis d'éclairage, c'est sombre, je suis désolé, mais c'est juste pour vous montrer à peu près. Regardez, là, il y a la télécommande. En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec une télécommande, vous commandez directement les 2 LED. Donc ça, c'est super pratique. Donc là, hop, j'appuie sur on. Donc bien sûr, là, il y a plusieurs couleurs. Mais là, normalement, là où vous êtes, voilà, vous voyez que blanc. Alors que moi, là où je suis là, je vois toutes les couleurs. Mais en gros, c'est les couleurs qui se mélangent entre elles pour faire une couleur. Par exemple, là, si je veux du jaune, là, vous voyez que le jaune. Alors qu'il y a moi, je vois du vert, du rouge. C'est vraiment une petite LED. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà. Donc je sais pas trop comment je vais le faire. En tout cas, j'ai la télécommande, donc je pourrais changer des fois. Ça sera pas toujours la même chose, donc c'est cool. Donc là, par exemple, ça pourrait faire ça. Ça, voilà, un peu de fondu. Donc franchement, je suis grave satisfait de ça. Ça peut être... Donc là, vu comme ça a l'air dégueulasse. Hein. Mais je vous montre en fait dessus.
Donc voilà, en fait, dessus, il y aura un plexiglas. Donc comme ça, qui sera sur le LED. Donc là, tout de suite, c'est beaucoup mieux. S'il n'y aurait pas eu ça, oui, là, dans ce cas-là, ça aurait été vraiment dégueulasse. Mais franchement, avec ça, je trouve ça vraiment cool. Je pense pas mettre ça en flash parce que sinon, ça va être perturbant pour vous. De toute façon, dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que quand je vais faire la vidéo, la première vidéo où je serai dans mon vrai studio fini, on verra ensemble pour... Je mettrai par exemple, vous préférez le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Et vous me direz en commentaire lequel que vous préférez, qui vous tape pas trop à l'œil et qui vous dérange pas surtout. Donc j'espère que YouTube ça va être mon futur métier. Parce qu'honnêtement, moi je suis prêt. Y'a plus que vous maintenant à attendre. Ok, ça y est, c'est officiel, on se retrouve enfin dans mon studio. Dans mon propre studio, c'est officiel. Et j'en sortirai plus jamais. Donc voilà, j'espère que vous l'aimez. Par contre, le seul point négatif que j'avais pas pensé, c'est que je sais pas comment me placer. Parce que là, je vais à mon gros tour caméra, désolé. C'est juste que, vous voyez, il est clair. Bah, du coup, je le cache un peu. C'est pas que j'ai un gros dos, c'est le mec qui se la pète. C'est juste que je vois pas trop. Enfin, bref, dites-moi comment vous voulez que je le place. Dites-moi si vous préférez me mettre assis, mais moi assis, j'aime pas trop. Voilà, enfin, on voit pas, j'ai mal cadré. Mais assis, je trouve ça pas assez dynamique. Dites-moi dans les commentaires si je préfère toi assis ou debout. Moi, personnellement, je préfère debout. Je suis plus serein à marcher. Tu connais le malade dégueulasse. Ok, donc j'explique le décor. Parce que pour vous, voilà, vous voyez. C'est un décor d'enfant. Ici, ok, là c'est les enfants. Toy Story. En fait, ce que je voulais faire, c'est vraiment séparer le côté enfantin que j'ai et le côté adulte. Ouais, je sais, pour vous, ça peut choquer certains d'entre vous. J'ai un côté adulte comme tout le monde. Donc ici, le côté enfant, Toy Story. Et je voulais vraiment séparer les deux, vraiment avec quelque chose de fort, donc un éclair. Vous voyez, dedans à l'intérieur, il y a des LED. Hop. Reliés à une petite télécommande. Du coup, je peux changer, voilà, vous voyez. Je peux vraiment changer, mettre ce que je veux. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc, et de l'autre côté, le côté professionnel. Donc là, comme vous voyez, le WB, mon logo. Et ici, ma première caméra. Donc c'est celle-là qui a filmé toutes les vidéos précédentes. Donc c'est celle-là qui m'a commencé à me donner la passion. Ça me tient vraiment à cœur. Je pourrais jamais la vendre, même si on pourrait me prendre 1000 euros. Alors qu'honnêtement, je pourrais la vendre 400 euros, c'est déjà bien. Mais je peux pas. C'est vraiment quelque chose d'une valeur sentimentale de ouf. Et ça, me l'avait acheté à mes 18 ans. Donc vraiment, celle-là, obligé de mettre dans mon décor. Et ensuite, un petit shaker pour rappeler quand même que je suis coach sportif et que j'aime le sport. Et que même si vous voyez dans cette vidéo, enfin surtout sur cette chaîne YouTube, le sport, on va dire, je ne les mets pas de côté, mais il est toujours là. Mais j'essaie vraiment de me divertir et faire un maximum de choses pour essayer de toucher un maximum de personnes et surtout faire ce que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est tout. Il n'y a pas forcément quelque chose de rester bloqué dans quelque chose. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dérange ou pas du tout. Je veux vraiment savoir ce que vous voulez. Parce que moi, c'est vrai que j'aime bien me divertir un peu partout et pas rester sur une seule chose et m'accrocher à cette chose-là. Et je vais pas me forcer. Tout simplement, je vais pas me forcer. Donc pour moi, c'est-à-dire que je voulais passer par divertissement, le sport, vraiment tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc l'ancien décor, j'étais pas à l'aise. Pourquoi? J'étais dans ma chambre et je vous explique que ma chambre se ferme très mal. Ça veut dire qu'on entend tout d'en bas et moi d'en haut. Donc ça veut dire que quand je suis en train de filmer mes vidéos en haut, j'entendais mes soeurs des fois qui s'embrouillaient, mes parents qui s'embrouillaient. Donc c'était super frustrant quand je voulais parler. Et aussi, il m'entendait parler, donc des fois il criait, il faisait des trucs et tout ça. Enfin, moi je sais que, à croire, on pourrait croire vraiment que je suis à l'aise, mais vraiment, des fois c'est vrai que je suis un peu stressé et tout ça parce que j'aime pas trop qu'on m'entende, qu'on me regarde parler ou voilà. Donc ça veut dire que quand je me sentais écouté, mes mots étaient oubliés. Ça rime ou pas? Vraiment, donc vraiment, je voulais quelque chose où j'étais tranquille. Donc là, vraiment, je peux pas être plus tranquille que ça. C'est ma cave, c'est fermé. On m'entend encore un peu dans la cuisine, mais voilà, vraiment, je suis vraiment plutôt. Je suis serein, je suis bien ici et je me sens vraiment bien. J'ai installé mon bureau pour pouvoir faire vraiment mes bons montages. Je voulais vraiment séparer mon côté dormir, donc amusement, tout ça, enfin voilà. Et mon côté YouTube, donc professionnel, là où je monte mes vidéos. D'ailleurs, vous voulez pas en trop vite si vous voulez une vidéo montée. Et puis voilà, en vrai, je voulais vraiment séparer les deux, comme ce décor, séparé en deux, côté enfant et professionnel. Donc vraiment, je tenais vraiment énormément à remercier mes deux parents, surtout mon père, car sans lui, tout ça, même ma mère, ne serait jamais là. Parce qu'ils m'ont aidé. Ils m'ont même plus que moi énormément aidé par rapport à l'argent parce que j'ai pas pu financer tout ça. Comme vous savez, le plafond qui est cher, le sol qui est cher, les murs, tout ça, vraiment tout. Et j'essaie de récupérer un maximum de trucs pour pas le faire trop dépenser d'argent. Et puis même pour moi, pour pas me faire trop dépenser d'argent. Et vraiment, je le remercierai jamais assez. Même ma mère, c'est vraiment quelque chose que. Enfin, on va dire qu'il croit en moi, en mes rêves. Il pense pas que je vais réussir forcément, mais il croit en moi. Et moi, ça me fait énormément plaisir parce que de me faire ça alors que. Pour moi, je leur dis que c'est YouTube et je gagne pas ma vie avec ça. Vous voyez, je perds mes mots tellement grand que ça me touche. C'est vraiment incroyable d'avoir des parents aussi exceptionnels, donc je les remercierai jamais autant. Ah oui, d'ailleurs, très important, je vais faire une FAQ. D'ailleurs, n'oubliez pas, allez vraiment me suivre sur Instagram. J'ai mis un post
et dessus vous pouvez me poser des questions. N'hésitez pas à m'en poser ici si vous avez la flemme de passer sur mon Instagram. Donc n'importe quelle question, je voulais vraiment faire une FAQ pour une, comme première vidéo dans ce studio, parce que là c'est pas vraiment une vidéo, c'est plus je vous ai montré ce studio là, ce décor. Donc voilà, posez n'importe quelle question, j'y répondrai avec plaisir dans mon nouveau décor. Si vous voulez me poser des questions par rapport au décor, allez-y, c'est comme vous le souhaitez. Donc voilà, cette vidéo était, je pense, assez courte. Je sais pas, je l'ai pas encore montée, mais d'après ce que j'ai vu, les plans et tout, je pense qu'elle va pas être très longue. Mais c'était vraiment histoire de vous montrer mon studio sans forcément allumer la caméra, cliquer sur la vidéo, vous dire hop, oh, ça y est, c'est ça son nouveau studio, son nouveau décor. Ok, non, non, je voulais vraiment faire quelque chose de assez, assez pro et quelque chose de assez bah, stylé. Voilà, et puis surtout une vidéo aussi pour remercier mes parents. Parce que je pense que je vais les remercier mille fois, mais voilà. Parce que cette cave là avant était vraiment énormément remplie, je pense que vous l'avez vu dans les vidéos, j'espère que j'avais vraiment la vidéo où elle était en bordel total. Donc voilà, n'oubliez pas la team, tout commence réellement, j'ai le matériel qu'il faut, j'ai plus aucune excuse pour commencer et vraiment me mettre à fond dedans. Donc voilà, n'oubliez pas la team, prenez soin de vous. Money, nigga, that my main focus. Business change, yeah, I like, I ain't all this. Get it, money, nigga.